Dans le cadre de la célébration de la nouvelle année, l'équipe d'Aboisseau 24 TV a sillonné les différents services publics, privés et les artisans en vue de recueillir leurs différents vœux. Pour l'année nouvelle 2022, nous ne pouvons que souhaiter à la Côte d'Ivoire, notre pays, et le meilleur singulièrement au sud Comoé. Cette région qui a vu à l'époque coloniale l'entrée du colonisateur avec tout ce qu'on connaît aujourd'hui comme la culture cacaoyère, une région qui donne beaucoup à la Côte d'Ivoire, une région où nous autres nous sommes fiers de travailler, une région où tous les hauts cadres se dévouent vraiment pour le développement de la Côte d'Ivoire. Suivez un peu mon regard. Et quand on est dans une telle région où on se sent bien à l'aise, on ne peut que dire bonne et heureuse année à tous les acteurs de la vie active de cette région. Faire des vœux pour que tout rejaillisse bien sur notre pays. Nous n'avons que la Côte d'Ivoire comme héritage à nous tous. Si la Côte d'Ivoire se porte bien, quand nous autres nous allons passer, parce que c'est une affaire générationnelle, nos enfants, nos petits-enfants et ainsi de suite vont bien se porter. Tout dépendra donc de ce que nous aurons façonné, nous aurons fait pour la Côte d'Ivoire. Et il faut que la Côte d'Ivoire marche. Bonne heureuse année à tous les Ivoiriens. Bonne heureuse année à toutes les populations du Sud Comoé. Je présente mes meilleurs vœux à la population d'Aboisseau, à tout enfant d'Aboisseau, jeunes et autres. Mes meilleurs vœux de santé surtout, bonheur, de succès dans les affaires, de prospérité à toute la population d'Aboisseau. Et que vraiment la population d'Aboisseau soit unie, qu'il y ait beaucoup, beaucoup, beaucoup de fraternité et vraiment bonne année 2022. J'aimerais souhaiter mes vœux, tous mes vœux de bonheur à toute la population du Sud Comoé et à toute la Côte d'Ivoire. Que Dieu bénisse chacun de nous et qu'il nous donne la force de bien travailler pour le développement de notre beau pays. Mes vœux pour cette année, les vœux de bonheur, de prospérité, de santé et puis de plus de convivialité au sein de la population d'Aboisseau. Vraiment, je tenais encore à dire merci à Aboisseau 24 pour cette visite et que Dieu nous garde et puis longue vie à cette chaîne. Je tiens ici à remercier la direction de Aboisseau 24 pour l'opportunité qu'il nous a donnée à s'adresser à nos sociétaires, à nos clients, à nos frères, à nos sœurs, pour leur souhaiter juste une année fructueuse de santé, de prospérité, de bonheur, beaucoup de paix intérieure, la paix soit sur la Côte d'Ivoire. Je vous remercie. Je voudrais souhaiter meilleurs vœux à tout le monde, santé, longévité, tout ce qui est beau. Je souhaite mes meilleurs vœux, que Dieu fortifie, que Dieu leur donne beaucoup de force, beaucoup de santé. Quand tu as la santé, tu as tout ce qu'il faut dans ta vie. Et vraiment, merci, merci beaucoup à Aboisseau 24, l'interview du président, que je suis pas droit au cœur. Et vraiment, beaucoup de gloire à vous. Mes vœux les meilleurs à toute la population d'Aboisseau. Santé de fer, surtout santé, prospérité, moins de soucis. Que l'année vraiment soit une bonne année pour tous. Merci beaucoup. En ce début de l'année 2022, je souhaite mes meilleurs vœux d'abord aux autorités de la ville, à toute la population d'Aboisseau et sans oublier mes collaborateurs et les agents d'Aboisseau 24 qui ont eu la gentillesse de s'adresser à moi. Bonne heureuse année à tout le monde.